Bonjour, aujourd'hui je vais vous présenter tous les appareils de clouage, agrafage de type pneumatique, c'est ce que l'on retrouve le plus fréquemment, les différentes sortes qui existent et puis bien sûr les différents risques qui vont exister par rapport à ces machines-là. On retrouve tout d'abord les systèmes de pointe en rouleau. 60 mm, 90 mm, forcément le cloueur est plus ou moins gros. Les systèmes d'agrafage, donc système sur batterie, donc petite agrafe comme vous pouvez le constater, ou pneumatique, et là les agrafes sont un petit peu plus hautes. Autre système, les pointes dites en barrette, donc soit avec une certaine inclinaison, attention, en fonction des marques, l'inclinaison peut changer, et ensuite les pointes droites, et là vous avez plusieurs hauteurs de disponibles à chaque fois. Ces types de cloueurs sont forcément habituellement plutôt ciblés charpentes, ça peut être également ces deux types aussi, et les pointes tétum comme on retrouve ici, voire les petites agrafes, sont plutôt ciblées menuiserie. Le chargement des pointes se fait bien sûr cloueur débranché. Pour procéder au chargement sur ce type de cloueur, il vous suffit d'ouvrir la trappe ici et le capot de protection du rouleau. Ensuite, en fonction de la hauteur de votre pointe, vous viendrez régler le plateau. Donc il suffit de tirer dessus, il y a un système de ressort, et de faire tourner en fonction de la hauteur souhaitée d'après la graduation qui se trouve en partie basse. Donc nous on va les régler sur 60. On engage le rouleau et ensuite on positionne les pointes comme ceci de façon à ce que la pointe soit maintenue par le système d'avance. C'est ce système là qui vous fait avancer la pointe. Comme vous pouvez le constater, les pointes sont maintenues entre elles par un petit fil. Ce fil va être coupé au moment de la percussion de la pointe.